Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Veuillez vous présenter s'il vous plaît. Je m'appelle Diallo Mamadou Boussiriou de la société Urpi Plus maintenant. Je suis le directeur général. Parlez-nous un peu de Urpi Plus. Urpi Plus, Urpi déjà c'est le nom d'un village à Dalaba. C'est celui de mes parents. Et Urpi Plus, c'est l'aboutissement de Urpi SARL. J'avais créé Urpi SARL avant et maintenant j'ai changé Urpi SARL en Urpi Plus. Pourquoi Urpi Plus? Parce qu'il y a eu une innovation. Avant, on se contentait uniquement des bacs de 18 mètres cubes. Maintenant, on est arrivé à faire des bacs de 4 mètres cubes. Ces petits bacs de 4 mètres cubes, on peut les mettre partout, dans les familles, dans les marchés, partout. Ça peut être installé sans que ça ne dérange ni la circulation, ni l'environnement. Parce que quand vous constatez qu'avec ces bacs-là, on n'a pas d'odeur, tout est confiné dans le bac, parce qu'il y a une porte qu'on peut fermer, et ça nous aide à ne pas retrouver les ordures partout, dans les caniveaux et autres. L'idée, c'est de faire en sorte que ces bacs soient virgalisés, mis partout dans la ville de Conakry et dans les autres villes de la Guinée aussi. Dites que ça fait combien d'années ou combien de temps que vous évoluez dans ça? Alors, si je vous parle du temps depuis que j'ai commencé à évoluer dans l'assainissement, ça fait un peu longtemps. Parce que je n'étais pas ici en Guinée, j'ai appris ça en Europe, en Suisse exactement. C'est ce que je faisais du nettoyage. Et quand on parle de nettoyage, il y a l'assainissement dans le nettoyage. Donc, j'avais créé même une société en Suisse là-bas qui s'appelle Conakry Swiss Clean. Et qui travaillait justement dans l'assainissement en Suisse. C'est de là que les autorités d'alors m'ont fait appel pour que je vienne accompagner la Guinée. C'est comme ça que je suis venu en Guinée pour, avant, proposer les bacs de 18 mètres cubes, les camions poubelles comme celui qui est derrière vous. Et maintenant, j'évolue en proposant ces petits bacs de 4 mètres cubes. Et on voit que les bacs que vous avez à confectionner ici au camp de Urpi Plus sont étalés ici, ça et là. Et il y a de la poussière posée là-dessus. Et par endroit, il y a de la toile d'araignée. Dites-nous, qu'est-ce qui ne va pas avec vos installations? Mais qu'est-ce qui ne va pas depuis que vous avez commencé? Ou bien on n'a pas eu de contrat, ou bien vous êtes venu vous installer sans avoir comment travailler? Alors, ce problème que vous remarquez là, c'est un problème qui me désole aussi. Quand j'ai commencé, je pensais pouvoir évoluer facilement parce que c'était une demande. Je voyais que l'État avait de la peine avec les ordures de la ville. C'est pourquoi j'ai proposé. Mais depuis que je suis arrivé ici, jusqu'à maintenant, j'essaye de trouver un consensus avec l'État. J'essaye de trouver les bonnes personnes. Pour le moment, je n'ai pas trouvé. Qu'est-ce qui va prendre? Est-ce des difficultés? Est-ce que votre investissement vous pouvez rester à l'échec comme ça? Ou bien il faudrait que purement que vous gagniez des marchés? En fait, là je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui ne va pas. Moi je pense que de mon côté tout est prêt. Mais vu que ce n'est pas moi-même qui va me donner moi-même un contrat ou une délégation ou autre chose, je suis obligé de rester derrière les autorités. Je cherche à rencontrer les autorités afin de pouvoir trouver un moyen de pouvoir travailler. C'est tout ce que je cherche. Monsieur Gabriel, dites-nous, depuis que vous êtes revenu pour investir dans ça, aujourd'hui, vous n'avez pas eu de marché. Si je vous dis ça, c'est pas vrai. J'ai eu pas mal de marchés. J'ai d'abord les 90% des bacs à ordures que vous trouvez à travers la ville, les bacs de 18 mètres cubes, c'est Urpi qui a fourni ces 90% des bacs. Tous les bacs que vous voyez avec Albayrak et autres, c'est nous qui les avons confectionnés. C'est ici qu'ils ont été confectionnés, avec des jeunes Guinéens que nous avons formés ici. Non, on a eu des contrats. Mais seulement, ça n'a pas prospéré. Il y a eu un premier jet qui est parti.
Et depuis lors, on n'a pas eu à continuer. C'est ça le problème. Dites-moi, en fait, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir votre investissement étalé ici, sans marché, et ils sont en train de se détériorer au lieu de servir dans la capitale Conakry, qui reste tout de même juste là inondée d'ordures. Ça me fait mal. Ça me fait mal de voir cela. Ça, je ne sais pas comment vous dire même, parce que mon idée c'était que ce n'est pas question d'argent ici, c'est question d'accompagner notre pays. C'est question de donner ce qu'on peut. Moi, c'est la seule manière pour moi d'accompagner l'État. C'est la seule manière pour moi de faire quelque chose pour mon pays. C'est ce que je sais faire, c'est ce que j'ai ramené ici. Mais ça me fait très mal de voir que depuis, j'ai fait beaucoup de sorties, j'ai été devant des mairies et autres pour voir comment trouver et comment je peux être intégré dans le système, mais pour l'instant c'est très difficile. Et quel appel lancez-vous ? Quel est votre mot de la fin ? Le mot de la fin, c'est que les autorités, les nouvelles autorités acceptent de nous donner au moins la possibilité de nous exprimer. Nous, notre façon de nous exprimer, c'est juste proposer notre travail, de nous laisser la possibilité d'avoir un coin où on peut montrer ce qu'on est en mesure de faire. Faire la concurrence. Ne dites pas que les étrangers sont plus forts que nous. Peut-être que les étrangers viennent même s'inspirer à partir de nous ici. Et puis après, mais on ne nous fait pas confiance, nous. Je suis désolé de le parler ainsi, mais c'est ça. Il faut qu'on ait confiance aux Guinéens, qu'on ait confiance en nous, qu'on vienne nous voir, qu'on nous laisse aussi des villes. Il y a plein, tous les 33 préfectures de la Guinée, il n'y a aucune ville qui a un système cohérent d'assainissement. Il n'y a aucune ville. Conakry même est sale, donc les autres villes, on n'en parle pas, parce que là-bas, il n'y a même pas un camion. Et l'assainissement, quand vous parlez de l'assainissement, il y a beaucoup de choses qui vont avec. Quand vous voyez que les maisons brûlent sans qu'il y ait aide, ça aussi, ça rentre dans le cadre de l'assainissement. Vous avez des marchés ici qui peuvent prendre du feu et on ne peut même pas accompagner. La protection civile n'a pas les moyens. Nous, on est là pour accompagner tout ce système-là. C'est ça que nous avons comme demande à faire. On a du matériel, on a l'expertise, on a tout ce qu'il faut pour accompagner. Mais si on ne nous donne pas la parole, c'est ça le problème. Là, on ne pourra rien faire.